Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau live sur Siberia 3. On va pouvoir avancer notre petite aventure, ça fait longtemps, une bonne semaine, j'ai pas eu le temps d'en faire avant. Et salut Kenton, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien. On s'est arrêté juste après avoir avancé notre petit camion avec Oscar. Et je pense que maintenant qu'on est là, il va falloir qu'on bouge l'échelle, donc on va regarder ça derrière, à l'instinct, hein. Qui me paraît le plus logique. Quand même, qu'est-ce qu'il est efficace cet Oscar. Ah, on a un jet à incendie, mais on peut rien en faire. Pas de soucis. Grimpons un peu. Ouh là là, c'est le début de l'après-midi, un faux jour. Ah, ici on a un poste de commande. Alors. Plus en forme qu'hier soir, oui, c'est vrai qu'hier soir il y a Gelden qui a fait du live. Bah, malheureusement, hein, c'est vrai que on peut pas être toujours en forme à la fois pour les lives et à la fois pour les regarder. Je suis sûr qu'il t'en veut pas. Alors, on peut tourner, ah oui, on peut vraiment tourner à fond. Donc on va tourner genre plus ou moins entre les deux là, par exemple. On peut ou pas? Ah non, on peut pas. Oh, y a des automates morts partout. Non, c'est terrible. Allez Oscar. Ah oui, 20h30. J'espère que oui, effectivement, ça va mieux. C'était pas malade ou juste une grosse fatigue. Cette grille est une injure à l'art de la chaudronnerie. Et un sacré grain de sable dans mes rouages, si j'ose dire. Ah zut, c'est coincé. Pas de système d'ouverture. Des bords grossièrement soudés. D'accord, alors qu'est-ce qu'on a qui pourrait aider? Une burette d'huile? Impossible. Ouais. Ok, donc visiblement, on n'a pas ce qu'il faut. Il va donc falloir qu'on trouve un moyen... Belle pièce. Ça, on n'a pas moyen de l'orienter et puis d'arroser le truc? Non. Il faudrait qu'on trouve un pied de biche ou quelque chose approchant. Il y a moyen quand même que peut-être on trouve ça dans la cabine du camion. Je vais quand même retourner voir. Au cas où je l'aurais raté. C'est bien, il a bien les mouvements un peu d'automate bizarre. Enfin bizarre. Là il n'y avait rien, on avait regardé, on avait trouvé la clé, il y avait un... C'est pas là qu'il y aura des pieds de biche. Ok, on a récupéré la clé de contact, mais ça va pas nous aider. On va vérifier s'il n'y a rien sur la banquette. Ah, là il y a quoi? Ah non, ça c'est pour fermer et rouvrir la boîte à gants. Ok. Non, visiblement il n'y a rien là. Ah, deux nuits blanches pour rassembler la Lamborghinicienne de Lego. Oh, ça va, c'était du plaisir quand même. Enfin, ou alors je sais pas, peut-être que tu travailles dans une usine Lego et c'était pour la mettre en exposition et c'était du travail, mais à première vue, ça a l'air plutôt sympathique. Bon, faut qu'on fouille. Fouillons donc. De toute façon, je pense que voilà, il y a des endroits où on va être coincé, donc... On sait que c'est pas par là. Il y a des bouts de chiens et tout qui traînent partout. Bah, sous la banquette, je peux pas regarder parce que dès que je clique dessus, c'est le puzzle et ça me charge la... Ah, là il y a un truc là. Toi tu bouges toi. Ah, il bouge lui. Alors on sait qu'ils peuvent être énervés quand ils sont pas en forme. Oh, ça périt pas vite. Ouais, c'est ça. Donc là, si on essaie de prendre des outils, ils sont pas contents. Toudou, bon chien. Juste du plaisir et de l'impatience. Je vois.
Est-ce qu'on peut lui filer la burette d'huile? Non, hein. Ok, donc il y a des chiens fonctionnels et en plus ils nous embêtent. Ça c'est pas cool. Est-ce qu'on peut aller au fond? Non, on dirait pas. Rien de très très intéressant. Peut-être dans l'angle là. Non. Bon, potentiellement il y aurait des chiens à divertir. Bah, je pensais à la clé, le problème c'est que déjà on l'a rendue à la dame à qui elle appartenait, et en plus il faudrait pouvoir l'approcher pour ça. Et ça m'a l'air compliqué. Alors là, arrête-toi dans le sympathique petit sac là. Non, y'a rien. Y'a rien. Si on va par ici, on a un autre écran, non, mais on peut voir Oscar en gros plan. Classe. Ah, là il y a un truc. Occasion de boire une petite gorgée de café. Ah, la fameuse centrale. Il y a quand même des oiseaux et tout qui ont survécu, on dirait. Et ouais, la notification elle tombe un peu quand Twitch a envie qu'elle tombe, Kenton. Tu vois là, 14h02. Bon, pourquoi 14h02? Je ne sais pas. Ah, ça c'est le même, pourquoi on en a deux côte à côte? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait regarder plus à droite, plus à gauche? En tout cas, le décor est classe, faut avouer. Oh, il y a un barrage là. Quand il va péter, bah non, bah d'ailleurs c'est bizarre, il est dans le mauvais sens. Il bloque l'eau qui vient de la mer, normalement c'est censé être dans l'autre sens. Ou alors c'est peut-être pas un barrage, c'est peut-être des maisons et ça c'est juste une péninsule. Ouais, ça doit plutôt être ça. On dirait qu'il y a des immeubles là. Heureusement qu'on n'avait pas besoin de pièces. Hein. Ah, mince. Jeu? Ah non, ok. J'ai cru qu'il avait bugué. J'ai cru au crash, mais ça va. Alors là, j'ai pas l'impression qu'on peut rentrer. Non. Et alors normalement, Kenton, si tu regardes, c'est pas Eevee qui envoie les notifications. C'est LJDC Bot. C'est un bot spécifique. La péninsuline. Non. La péninsule. La péninsule pas ibérique. Ah, ici il y a quelque chose. Alors comment on fait pour y aller? On va cliquer, on va y aller tout seul. On va peut-être tomber sur des copains à nous encore en vie, hein, à un moment aussi. Ouais, bah vas-y, regarde. Là! Un collectible de Fallout à récupérer. Non, c'est pas ça. j'ai pas l'impression qu'on puisse vraiment passer en vrai. Ah, là il y a une ouverture là. Bordel. Contourne-moi ces petits cailloux. Ah la vache, ils ont fait un sacré truc, hein, c'est grand. Hein. Il n'y a rien, les boutons là, on peut pas appuyer dessus. Mais on peut passer. Ah, il y a un truc à ramasser. Cisaille. Ah bah voilà, hein, peut-être pouvoir se démerder sans embêter les chiens. La cisaille à côté du coffre-fort pillé, c'est classe. Ça donne bien l'idée de ce qui s'est passé dans la ville. Alors, on va aller jeter un œil quand même un peu plus par là-bas, mais je pense qu'on doit arriver au bout si c'était l'objet qu'on devait prendre. Ouais, voilà, c'est ça. C'est tout fermé, mais on va quand même regarder l'autre côté de la rue. Peut-être des trucs à regarder. Ou... Sachant que dans ce jeu, il y a plein de succès qui sont basés sur... regarder, poser des questions aux gens, genre quand on a parlé de manière totalement, quand on était dans le métro et qu'on a parlé de manière totalement random à, au guide là, Kirk, en lui disant non mais tu vas pas aller voir la radio, tu vas pas écouter l'émission Allo de Rose de Machine et tout, on a eu un succès totalement random du genre vous avez sauvé la santé mentale d'un homme, d'un membre de votre équipe. Donc il y a plein de trucs comme ça un peu cachés.
Et on en a raté un paquet d'ailleurs, j'ai regardé tout à l'heure par curiosité. Il y en a qui sont basés sur les puzzles, mais il y en a pas mal qui sont basés sur parler aux gens, faire des choses, etc. Que les développeurs n'ont pas forcément prévu, en dehors des succès en tout cas. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec notre clé? Alors, la clé de contact, non, nos cisailles. Allez, à la fraîche. Quel homme cet automate? Pratique de pouvoir se balader dans la radioactivité quand même. D'étrange qu'on ait pas déjà eu un fallout avec des automates. Allez, balance ça sur l'hélicoptère, on sera quitte. Ah, le con. T'as l'air malin maintenant. Tu vas pouvoir les arroser. Quel automate cet homme, c'est vrai. Il y a aussi de ça. Alors. D'accord, va falloir qu'on branche. Qu'on branche le tuyau d'eau. Hop. Automode, un message pour avoir été retenu pour la raison suivante: sexualité, sexe ou genre. Canton, un nonos. Un nonos, c'est tendancieux, attention. Twitch n'aime pas. Allez. On leur arrose la tronche, ça devrait les calmer. Oh là là! Qu'est-ce que c'est que cette scène? Oh, ce ralenti d'anthologie quoi! Excellent. Elle est énorme cette scène. À Oscar, quand ils le font jouer, c'est pas pour déconner quoi. Bah du coup, on n'a pas joué le nonos, Canton, on a joué le petit jet d'eau dans la tronche à la Matrix là. Je pense qu'on peut rentrer. Ouais, j'avoue que là, Canton, ils sont un peu fait plaisir sur cette scène. Avec la petite pause à la fin et tout, en mode oui, j'étais sur mon tank, j'ai arrêté une horde d'ennemis avec ma mitrailleuse lourde. Allez, allons nous faire décontaminer. Je pense qu'on est pas mal. Ah, lui, il a pas de souci à descendre les escaliers, ça c'est cool. Alors, le gros bouton. Lui aussi va se prendre une grosse douche. Ça marche encore, allez, ça a l'air un peu grinceux, non? Ouais, il y a quand même encore de quoi faire. Ah. Ça aurait été trop facile. Oscar. Eh bien voilà qui est fâcheux. Il vous faut partir sans moi, Kate Walker. Je me débrouillerai. Oh non, il Oscar. Il n'en est pas question. Kate Walker, je dois présenter un taux de radioactivité très conséquent. Ma présence à vos côtés dans cet état mettrait votre organisme en danger mortel.
J'imagine que ce n'est pas souhaitable. Je vous le répète, nous ne partirons pas sans vous. Il me suffit juste de trouver un peu d'iode. L'iode est une denrée rare, Kate Walker. Pas de pessimisme, Oscar. Laissez-moi faire, s'il vous plaît. Très bien, Kate Walker. Au pire, de toute façon, t'as rien à faire. Tu t'attends là, et puis, si on trouve, on trouve. Si on trouve pas, bah on trouve pas. Hein. Alors, où est-ce qu'on pourrait trouver de l'iode dans une station de métro abandonnée? Est-ce que les U-Call, éventuellement, auraient une capacité en industrie de création d'iode? Il y en a plein dans la mer, oui. On pourrait faire évaporer de l'eau de mer pour récupérer de l'iode, peut-être. Un métal l'air gentil, finalement. Alors, tu veux pas sauver ton copain, toi? Ah, Miss Catwalker. Elle avoir besoin d'aide? Eh bien, à tout hasard, n'auriez-vous pas de l'iode parmi toutes vos potions magiques et vos breuvages sacrés? Iode? Non. Moi, rupture de stock. Dommage, Miss Catwalker pas demandé pendant traversée du lac. Lui, au salé, plein d'iode. Ah, tu vois, elle a la même idée que toi. Oh, mais justement, j'ai trouvé ces algues dans la galerie inondée par l'eau du lac. Ah, c'est vrai, les algues. Vous pensez que... Possible. Algues pleines d'iode. Mais pourquoi Miss Catwalker avoir besoin? Pour Oscar. Il est coincé du côté radioactif de la station et ne pourra revenir avec nous qu'à la condition que je trouve de l'iode. Miss Catwalker doit se dépêcher d'aller aider Bellum Metal. Za, za, za! J'y vais, ne vous inquiétez pas. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais genre je mettrais juste ça comme ça et ça marcherait peut-être? On va essayer. Si je dépose l'algue directement dans le machin. Après tout. Alors. Hop. Ah ouais. C'est assez, c'est pas assez. Bah ouais, presque trop simple parce qu'on l'a trouvé avant quoi, mais c'est vrai que du coup... Si t'as pas pensé à aller tout au fond du tunnel de métro inondé pour trouver ça, je pense que tu peux galérer un petit moment. Bon, il prépare une potion magique. Pour l'instant, en tout cas, ça a l'air de lui aller. Je suis sûr, il y aurait eu un succès si on avait allumé la torche, on s'était barré sans lui. Ça déconne pas, hein, c'est construit pour durer le truc. Hein. Procédure de décontamination terminée. Ouverture du sas. Ils construisent pour durer, les mecs. Ah. Contente de vous retrouver, Oscar. Oh, eh bien. Comment dire? Je. Ne suis pas mécontent non plus, Kate Walker. Allez rejoindre les U-Call, Oscar. Dites-leur de se préparer à partir. Je vous rejoins rapidement. À vos ordres, Kate Walker. Voilà, on va pouvoir ressortir notre petite torche. Et s'occuper des chauves-souris. Ah oui, ils sont prêts à partir. Ils ont déjà tout rangé. Allez,
On recommence mais en mieux cette fois. Descends ton petit escalier. Je dois d'abord rallumer la torche. Ah t'es sérieux, faut que je la ramène là-bas. Ah. Bah du coup ok, demi-tour. Diantre, je l'avais pas vu venir ça. Je pensais qu'elle allait, hop, elle allait allumer et puis on était parti quoi. Et la petite musique qui se déclenche, c'est qu'on fait à peu près les choses bien. Alors, faut qu'on aille du côté. On peut lui parler, ouais, bon, on verra plus tard. Allumons cette torche. Déjà, montons cet escalier. Montons cet escalier, Kate. Kate, tu peux pas le monter? Ah si, ça y est. J'ai cru que j'étais bloqué par l'autruche. Mais Skatework s'est dépêché avec établi. Ah oui, il attend qu'on ait fini pour remonter son établi. Bah écoute mec, hein, tu veux qu'on te sauve la vie ou pas? Comment ça se passe? Alors, pof. Ah, suffisait que je clique dessus, ok. Je pensais pouvoir. Ok, bon, il nous épargne quand même un peu le truc complet. C'est gentil. Et cette fois, elle se barre. Eh bien, l'hélicoptère, il va bien repérer le nuage de chauve-souris qui s'enfuit, par contre. Alors. Prochaine épreuve. Oh, les classes. Ah, on est sorti. Du côté d'Olympia, du coup, il paraît qu'il y a eu des martyrs Yukol. Enfin, à l'air libre. Ah, je ne suis pas fâché de quitter cet enfer. Et maintenant ? Nous campons ici pour la nuit, et nous reprenons la route dès les premières lueurs de l'aube. Notre prochaine étape sera alors la dernière dans ce pays. Le pont séculaire qui enjambe la rivière Balatom et qui fait office de frontière avec le Yakastan. Une fois franchi, nous serons à l'abri de nos poursuivants. Voilà une bonne nouvelle. À plus tard, Kirk. Alors on sait toujours pas si l'hypnose sur lui a marché ou pas, hein, et qu'il va nous trahir parce qu'il est hypnotisé. Ah non, peut-être pas. Peut-être qu'une troisième personne va arriver et foutre la merde. Voyons ça. Tuk Tuk Tsugar ! Très triste pour le capitaine qui parle fort. Ah ouais, c'est vrai que le capitaine... Mauvais esprit partout à Baranur. Bien joué, Miss Catwalk. Eh ben... Il y a encore de quoi visiter un peu. Le voyage va être long, si interrompu si souvent. Eh mec, hein? Ça c'est la station de métro ça, ouais. Ah on peut monter, ok. Voyons ça. Ah non c'est une piscine, d'accord. Belle vue. Donc on doit être au niveau du truc Olympia effectivement. Il y a une vieille piscine avec un vieux plongeoir bien rouillé. Alors, qu'est-ce qui va nous bloquer cette fois? Ah, on peut descendre dans la piscine? Ah bah, descendre dans la piscine. Ah, et là, quelqu'un ouvre les vannes et on meurt? Non. Ok.
Bon, j'explore, hein, du coup, je sais pas trop qu'est-ce qui pose problème. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, des ouvertures pour piscine. Ok, alors je sais pas si vous, vous avez le même sourire machiavélique qu'elle, mais... moi, j'ai pas trop vu... qu'est-ce qu'on attendait de nous, là. Alors, ça c'est quoi? C'est juste un dessin ou c'est un plan? Qui irait mettre ça au fond d'une piscine? Qui irait mettre ça au fond d'une piscine? Ouais, on dirait des boutons ou des pierres précieuses, c'est bizarre. Cette piscine est bizarre. Je pense qu'on peut utiliser ce terme. Ouais, mais je suis pas sûr que ce soit son idée quand même, ouais, Canton, là. Sauter du plongeoir directement dans le trou, ça me paraît quand même tendu... Tendu. Est-ce qu'on peut se faufiler derrière? Non. Ok. Alors là, ils attendent forcément de quelque chose de nous, hein, parce que la cinématique, c'était hop, on se pose pour la nuit, bisous, à demain. Et visiblement, on se couche pas tout de suite. Donc, il y a certainement quelque chose qui nous attend quelque part. Faut juste qu'on le trouve. J'essaie de tous les escaliers. Non. Bon, bah la piscine, pour l'instant, je vois pas trop ce qu'on attend de nous. Mais il y a potentiellement des choses. Peut-être qu'on pourra aller verser un truc, ou activer de l'eau et remplir la piscine d'eau pas contaminée, je ne sais pas. On va continuer de se balader. Hop là. On esquive les petits yukols qui se baladent, mais pas tout à fait comme nous. On va aller voir ce qui nous attend au fond de cette route. Là du coup je pense que ça doit être de là qu'on vient, donc ça doit être la station de métro quelque part. Ah ici on peut y aller. Enfin peut-être. Une grille sombre qui grince dans la nuit. Comme ça donne envie. Ok. Il y aura un petit jardin. Les décors sont pas dégueux. Hein. On va se faufiler là, mais on va pas retourner à Baranour. Rassurez-moi. C'est toujours un petit peu contaminé quand même, hein. Sans vouloir remettre du sel sur les plaies. Alors, après tous ces efforts pour sortir du métro, hors de question d'y retourner. Ok, donc c'est bien le métro qui est par là, très bien. On était doux calme, pas de voilà, hein, pas de stress. On est d'accord, on retourne pas dans le métro, ça me convient. Alors il y a la musique qui s'est mise en route, normalement c'est censé dire qu'on va dans plus ou moins dans la bonne direction. Là on peut se faufiler là? Non. Si peut-être. Non. C'est un petit cul-de-sac. Par derrière peut-être. Zut. Alors, ok, je dois avoir moins d'aller derrière. Ça, c'est le genre de truc qui fait quand le bouton est derrière en fait, et c'est juste que je peux furtivement l'apercevoir. Mais en fait, il apparaît que quand j'appuie sur les touches, donc dès que je clique, ça le fait disparaître.
Bon, c'est pas très grave, ça doit être une vue. Une vue des bâtiments derrière, on s'en mettra. Vérifier qu'on peut pas passer, mais ça ressemble à un mur. Hein. Ouais. C'est un mur. Ça aussi. Un gros mur. Ça, c'est des entrées, mais c'est fermé. Peut-être par là. Non. Bon, ok. Ça, en gros, c'est le métro et l'entrée de la ville. On va donc pouvoir s'en remettre si on n'y va pas. Ça, c'est un plan, mais... C'est le plan du métro, je le reconnais, avec la longue ligne qu'on a prise, là. Donc visiblement ici, il n'y a rien d'autre. C'était le métro, c'est de là qu'on vient. Ça fait une petite balade dans la neige, mais rien de fifou. Après c'est bizarre hein, qu'ils nous permettent d'y aller, ils auraient pu mettre le petit message, pas question de retourner dans le métro directement dès la grille. Donc est-ce que c'est juste pour le plaisir de faire des plateaux ou est-ce qu'il y aura un truc à faire? Je ne sais pas. Est-ce qu'on devra retourner dans le métro en urgence? Alors ça par contre c'est pas cool ça. Ça je, c'est pas très gentil. Ah ça c'est embêtant. Est-ce qu'autant la cinématique on pouvait peut-être s'en passer, autant le bouton pour sortir c'est plus gênant. C'est pour débloquer 8 succès platinum. Ah ouais c'est... Ah merde. Là, ça fait rien, ça fait pas réapparaître. Ah, je peux pas moins de cliquer, alors je vais réduire, à revenir. Passer en mode aventure là, voyage, voilà. Merde. Ça c'est le bug gênant. La coquetterie fonctionnelle gênante. Bon, on n'a rien fait de très fifou, donc je vais recharger. Tant pis, ça va pas être très long. Ah oui, alors je vais mettre en pause le record parce que voilà. On va refaire la ciné et on se retrouve dès que c'est débloqué. Hop là, et on se retrouve en record de nouveau et ah bah Biscuit voilà. Je t'ai dit je vais avancer cette fois pour voir un peu réussi ce qui se passe. À m'arranger avec précédent occupant. Yourte pour toi jusqu'à fin du voyage. Ancien occupant va habiter autre yourte pour que Misket Walk dorme dans celle-là. Mais c'est très gentil. Oh, c'est vraiment très généreux de votre part, Monsieur Brut. Merci beaucoup. Ah bah voilà, en fait, fallait peut-être juste avancer et après dodo, quoi. Ok. Cette créature semble s'être prise d'affection pour moi. Mais tout le monde l'aime, notre ami Oscar. Esprit agité, Miskat Walk. Ah, t'avais peut-être raison, Kenton, elle avait peut-être un succès, genre ne pas dormir avant d'avoir fouillé toute la zone. Oh, ils ont fait un méga feu, trop bien. Parfait, ça. Le mec il déconne pas hein. D'homme métal, lui rigolo. Il rase la moitié de la forêt pour faire leur campement quoi. Ah, Kate Walker, tu es bien installée? Oui, merci pour la yourte. D'ailleurs je vais pas traîner, je tombe de fatigue. Hélas, la nuit risque d'être longue. Pourquoi donc? Miss Kate Walker, regardez lune. Qu'est-ce qu'elle a la lune? Elle est rouge. La lune rouge. Elle n'entre dans cette phase que très rarement, tous les 20 ans environ.
comme la transhumance, comme par hasard. Tous les 20 ans ? Comme la transhumance, en somme. Miss Catwalker, bien calculé. Il n'y a pas de hasard. Chaque transhumance doit arriver ici, à cet endroit précis, pour la nuit de la Lune Rouge. Pourquoi est-ce aussi important ? La Lune Rouge donne lieu à une cérémonie sacrée très importante pour les Yukol. Un rituel qui permet d'attirer sur la transhumance la faveur des esprits et d'avoir ainsi une chance d'arriver à destination. Depuis la nuit des temps, cette cérémonie se tient dans le temple de la Lune Rouge. Je n'ai aperçu aucun temple dans le coin. Là est problème, Miss Catwalker. Depuis la dernière transhumance, temple disparu. Les arnaques. Un temple ne peut pas disparaître comme ça, voyons. Sauf s'il est noyé sous des tonnes de béton. Vous voulez dire que le temple aurait été sacrifié pour les besoins de la construction de ce stade ? On raconte que le guide spirituel de la précédente transhumance, mon prédécesseur en quelque sorte, aurait trouvé le moyen de sauver le temple. Comment a-t-il fait ? Le guide Kantika, accompagné de quelques autres valeureux Yukol, ont proposé leur service comme ouvriers sur le chantier. Ils se sont révélés de très habiles maçons, au point de parvenir à dissimuler notre temple sous le béton sans que cela se sache. Des mois durant, ils ont travaillé la nuit, à l'abri du regard des architectes et des contremaîtres. Oh les plombs. Yukol usé par travail pour sauver Maison des Esprits. Ils auraient cependant réussi dans leur entreprise, et notre temple serait bien ici quelque part, dissimulé sous ces constructions modernes. Hélas, les pauvres sont morts d'épuisement. C'est terrible. Je suis désolée. Ti espiritulu, macra enoch, picnoc vanu. Par ces termes, la tribu rend hommage à leur sacrifice. Ti espiritulu, macra enoch, picnoc vanu. Temple doit bien être quelque part. Moi, dire tribu, recherche et temple. Mais aide de Miss Catwalker, pas de trop. Et vous n'avez aucun plan ? Pas la moindre indication de l'endroit où pourrait se nicher ce temple ? Nous savons juste qu'il est ici, quelque part, recouvert de tonnes de béton. Nous devons absolument le retrouver, Kate Walker. Et pourquoi pas en avoir parlé avant ? Ah, les plans, quoi. De toute façon, on pourra pas les faire changer d'avis, hein, mais... Par où voulez-vous commencer ? Recherche de ton côté. À nous tous, nous aurons plus de chances de retrouver le temple. Entendu. Non, on n'est pas couché, visiblement. En quoi consiste exactement cette cérémonie ? Le rituel de la Lune Rouge vise à attirer les faveurs des esprits sur notre caravane. Une purification avant de pouvoir franchir la frontière du Yakastan. C'est aussi une forme d'épreuve très personnelle. C'est difficile d'expliquer cette cérémonie en quelques mots, Kate Walker. Il faut le vivre soi-même pour pouvoir comprendre. Tu es sûr qu'Olga et le colonel ne pourront plus nous poursuivre une fois la frontière passée ? Certain, Kate Walker. Le Yakastan est hors de leur juridiction. Ça m'avait pas l'air d'être le genre de mec qui s'arrête à une juridiction, hein. Les Yukol ont déjà commencé les recherches ? Bien sûr. N'hésite pas à les solliciter si besoin. Bon, je vais aller chercher de mon côté. Bon, bah du coup, on sait que c'est plus ou moins sous la piscine, probablement. Baitragan, Miss Catwalk. Baitragan, toi aussi. Transhumance pourra pas continuer sans bénédiction esprit. Bien. Bonne chose que Miss Catwalk et tribu s'entraident. On va quand même aller faire un tour dans notre yourte, voir si on peut pas trouver quelques petits objets qui nous serviront plus tard. Et puis bah, je crois qu'il va falloir qu'on reparte. Hein. Chaman dit de pas craindre le mauvais esprit. Alors c'est pareil, si ce feu il est pas repéré par les mecs en hélicoptère, métal. Lui, rigolo. C'est qu'ils sont totalement aveugles quoi. Allez, voyons voir ce qu'il y a de beau dans cette yourte. Oh, c'est cosy. Les Yukol ont stocké toutes les affaires que j'ai réussi à garder depuis la clinique. Ah oui, j'avoue. C'est gentil de leur part. Il y a la clé, il y a les lunettes, il y a le couteau. Le fameux couteau.
Et du coup, on n'a plus que ça dans notre inventaire. D'accord. Et le reste? Les Yukol ont stocké toutes les affaires que j'ai réussi à garder depuis la clinique. C'est gentil de leur part. On a le Tokiwalkie éventuellement. Il y a la petite clé là. Bon. Oh, vivement, vivement, vivement. Ok, visiblement. Rien d'autre dans le coin pour l'instant. Et bah chouette. On va faire le tour de l'enclos. Ah, toi on peut te parler. On peut te faire un câlin. Bah oui. On empêche avec la yourte sur le dos. Je trouve ça vraiment trop classe. Il est quand même beaucoup, beaucoup plus sombre que les précédents, hein, on va pas se mentir. Il y a des morts, il y a du racisme, des insultes, des trucs un petit peu douteux. On sent que l'état d'esprit a un petit peu changé en 12 ans. Mais c'est pas plus mal, hein. Enfin pas plus mal. Le point and click d'origine était très sympa, mais là on a vraiment... Il y a de l'implication quoi. Alors ici on n'a pas été encore. Qu'est-ce que c'est donc que ça? Oula, ils m'ont fait flipper les statues. Alors si on arrive à retrouver la bonne femme qui nous regardait... La 3D change tout. Oui, alors il y a quand même, l'ambiance aussi. Mais c'est clair que la 3D change tout. Les environnements des premiers, ils étaient un peu plus vides, quoi. Ah, il y a quelqu'un ici qui picole dur. Ah, c'est pas possible, ils nous ont pas fait encore un tableau où il n'y a rien. Il y a forcément un truc. Oui, j'ai relancé le record de Canton quand on a terminé la cinématique. Juste au moment où j'ai avancé et où ça a lancé une deuxième cinématique avec le mec qui nous montrait notre yourte. Mais là, ça enregistre, je confirme. Yop, alors. Après, si tu as pas tout suivi et que tu veux que je te résume, tu veux dire si t'as pas suivi ce qui s'est passé ces dernières minutes et que je te résume, tu me dis. Biscuit Walk trouvé temple? Non, je suis comme toi, je cherche. Alors là, on peut rentrer. On y va. Une porte. Ça m'a l'air d'être un bon endroit où commencer, une porte. Une collection que ne renierait pas Katerina. J'avoue. Hein, tous unis avec les athlètes de l'URSS. Ah, là on peut cliquer. Très bien, une belle vue, mais ça ne nous avance pas. Ah zut, on peut pas aller derrière le bar. Tu commences ton déjeuner, et ben bon app du coup, effectivement. Ah oui, tu t'as dormi un peu tard pour récupérer. Profite bien, j'ai déjà mangé mon casse-croûte tout à l'heure. Ok, c'est bizarre, hein, ça fait... Ah ben après, c'est vrai que l'objectif c'est de rechercher, mais ça fait quand même beaucoup d'écrans un peu vides où il n'y a pas grand-chose à faire, d'objets à ramasser ou trucs du style. Ça change de d'habitude. En général, on est tous les endroits où on peut aller, il y a au moins un petit objet, un petit truc, quelque chose à ramasser qui va nous servir. Mais là, c'est vraiment, on est vraiment en mode fouillé, quoi. Du coup, on va fouiller, pas de problème. Ah oui, tu t'es levé à 8h quand même après tes nuits blanches. Enfin, tu me diras si tu t'es couché à 20h, ça fait déjà 12h de sommeil, mais... Oula, on est où là? Ok, on est arrivé de l'autre côté.
On a un escalator pour descendre, et si on va par là... On peut passer, il y a un autre escalator, ok. On va prendre celui du fond. Et bonne potée, Kenton. C'est vrai que c'est le truc qui tient un peu au corps, quoi. Putain, ils nous ont refait un stade de l'ex-URSS en entier, quoi. T'as trouvé quelque chose? Non? Bah, je vais voir, du coup. Ouais, je suis comme toi, Kenton. Ils ont l'air d'être là depuis un moment. Ah, on avance. Une chaise à la taille de Yukol. Oh, putain. Ok. Oh, ça sent le puzzle infernal. Des outils, Yukol. Ils ont l'air d'être là depuis un moment. Et ça, c'est pas un indice pour toi? Tu veux pas m'aider, plutôt que faire des signes de la main? Ok, ici. Ah d'accord, on arrive par celui-là, ok. Je vois. Et donc là, on peut monter aussi? Non. Donc là, on a un truc avec... Alors, on peut faire quelque chose de simple peut-être, genre chercher là où sont les lignes. Ça fait pas grand chose. Ouais, trouver la séquence est dans le bon ordre, ouais. Est-ce qu'il y en a... Mais visiblement, il y en a qu'un seul... Alors on va regarder. Là, il y en a qu'un seul qui a une ligne qui traverse, là. Il y a une ligne derrière lui. A priori, il y en a qu'un seul qui a une ligne derrière lui à chaque fois, mais c'est pas ça la solution. Et alors, je veux bien que ça soit un indice, mais ça me parle pas des masses pour l'instant. On va peut-être aller parler de ça à notre ami Kirk et la chamane. Ça pourrait être une idée. Calme-toi, Kate, doucement, doucement. Voilà. Où est-ce qu'on arrive là? Ah, on a une petite musique. La prochaine fois, réussirai sans aide. Ok. Alors, quand il y a une musique, c'est qu'il se passe des trucs. C'est qu'on est plutôt bien. Là, on s'approche d'une solution. Illisible. Ah bah. Illisible. Super. Étrange. Les inscriptions ont aussi été traduites en Yukol. Voyons celle-ci. Siji, oncle Burdundana, mort le marteau à la main. Alors moi je vais pas m'en souvenir, hein. On va screenshot. Voilà. Duck. Bon, je vais pas vous la placer pour l'instant. On va continuer d'avancer. Illisible. Illisible. Ah bon sang. Siji, cousine Rukalia Dana, tombée en esclave mais morte en héroïne. Non mais vous déconnez. Ah bon sang. Ça va pas être, ça va pas être évident, hein, je sens. Ok, donc on en a deux et on sait qu'il y avait trois Yukol.
Donc potentiellement une troisième tombe ou un troisième message quelque part. Par là il y a un truc. Il reste que le Fossoyeur qui est encore en vie, c'est ça? Frappe à la porte, sois poli. Voilà. Parce que pourquoi pas. Ah. Bonsoir. Excusez mon intrusion. Oh, le flip. La porte est ouverte. Je vous prie d'excuser ma curiosité. Il se trouve que j'accompagne cette tribu de nomades qui campent dans le stade. Ils ont absolument besoin de se rendre dans un temple qui se trouvait ici, quelque part. Avant toutes ces transformations. Avez-vous entendu parler de ce mystérieux temple? C'est un endroit très important pour les Yokol. Un lieu sacré. S'il existe encore, peut-être avez-vous une idée d'où il se trouve? Permettez-moi d'insister. J'ai parcouru ce parchemin avant que vous me le confisquiez. Et tout me porte à croire qu'il a été rédigé par un ancien membre de la tribu des Yokol. C'est un mélange de plans et de notes dont, je l'avoue, j'ai du mal à comprendre le sens, mais qui manifestement indique comment trouver le temple sacré. Pas très causeuse, hein? Pas très causeuse. Ce document semble très précieux pour vous. Mais vous devriez vous résoudre à me le confier. Les Yokol seront perdus s'ils n'arrivent pas à trouver le temple sacré. On m'a parlé de lui. C'était le guide spirituel de la précédente transhumance. Vous le connaissiez? Les contremaîtres l'ont tué. Ils l'ont fait travailler, travailler, et puis travailler encore. Pire qu'un animal. Je ne donnerai pas le livre de mon père à quelqu'un de leur camp. Il faudra que tu me tues. Alors, on va peut-être éviter. Salut Brodyman, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien. Écoutez, je ne suis pas celle que vous croyez. Je n'ai rien à voir avec ceux qui ont construit ce stade. J'ai tout abandonné pour accompagner les Yokol dans leur voyage. Je suis une des leurs maintenant. Tu me prends pour une idiote. Je n'avale pas n'importe quoi. Et je ne dirai rien à quelqu'un comme toi. Une qui est même pas la moitié du Yokol comme moi. T'es qu'une bolchevique et puis voilà. Que voulez-vous dire? Mon nom, c'est Dunyasha. Dubrovskaya, Tika. Kantika, mon père, était le chef des Yokol qui ont travaillé comme des esclaves sur le chantier du stade. Il s'est mis avec une habitante de par ici, une femme qui travaillait aux cantines du chantier. Et puis, c'est comme ça que je suis née. Vous savez, je n'obéis qu'à la nécessité de fuir ceux qui nous poursuivent, la caravane Yokol et moi-même. Ces gens nous veulent du mal. Les Yokol que j'accompagne sont juste là, dehors. Je peux chercher l'un d'entre eux qui témoignera de ma bonne foi. À quoi bon? Tu les as peut-être envoûtés, Bolchevik. Les Yokol, c'est comme des enfants. Ils diront ce que tu veux qu'ils disent. Il y a quelques mois, les Yokol m'ont sauvé la vie. Aujourd'hui, j'essaie juste de les aider. Si vous avez du sang Yokol qui coule dans vos veines, alors vous devriez faire pareil. Tu siffles bien. Comme les vipères qui se chauffent au soleil sur le béton du stade les jours d'été. Ça c'est dit. Je repense à ce que vous avez dit à propos de votre père, Kantika. Vous savez, il est considéré désormais par les Yokol comme un grand esprit bienfaisant. Précisément parce qu'il a décidé de se sacrifier pour sauver le temple des cérémonies sacrées afin que toutes les migrations futures puissent continuer d'obtenir la bénédiction des esprits. C'est bien. Il ne faut jamais oublier les esprits. Ti Espiritulu, Makra Enok Biknok Vanu. C'est ce qu'on dit chez les Yokol pour lui rendre hommage. Que ton esprit rejoigne celui des ancêtres et que ton sacrifice ne soit jamais vain.
C'est donc ce que disent de lui les Yukon. Même une bulge... je veux dire, même ceux qui ont fait construire ce stade ne pourraient pas le savoir. Tu donneras le carnet à votre guide. Il saura le comprendre s'il est vraiment qui tu prétends. L'esprit de mon père le guidera. Merci. Ne me remercie pas trop vite. J'ignore où se trouve le temple et, même en possession du manuscrit, le trouver ne sera pas facile. Il y a eu tellement de béton et de fer ici. Parfois, les esprits sont impuissants. Une dernière chose. La nouvelle caravane. Tu penses que son guide pourrait venir me voir? Je n'ai pas eu beaucoup de compagnie. Alors, si je pouvais parler avec les miens? Bien sûr, je comprends. Vous pouvez compter sur moi. Oh bah Kenton, une bonne phrase en Yukol et puis tu montres ta bonne foi. Hein. Classique. Alors on va quand même aller faire un petit tour par là-bas, voir ce qu'il y a de beau. Ah, peut-être la dernière pierre, celle de Tikanta. Quelque chose cloche. Certains sont morts pour la tribu, d'autres pour les aider. Que tous, nomades ou non, soient honorés à jamais. Ok, là c'est vraiment écrit en russe. Peut-être que si on arrive à faire le message qui va bien sur la chaise, ça débloquera un truc ici. Illisible. Merde, putain, c'était par où? Par là. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça. Zut! Comment on se barre de là? Ah, voilà, par ici. Visible. Celle-là, je l'ai déjà regardée, je crois. Ouais, c'est celle que j'ai screenshot tout à l'heure. Illisible. Celle-là, on l'a vue. Ah non, il y en a une qu'on n'a pas vue là. Il y a forcément une qu'on n'a pas vue sur les deux. Celle-là, c'est la première. Donc. Celle qui est... Oh la vache, le changement de caméra, il aide pas non plus. Hein. Celle qui est là-bas... Illisible. J'en avais une là. J'en ai vu une là. Là, il y a une pelle. Oh, c'est le bordel, il y en a partout. Ah, il y a deux cinématiques côte à côte. Celle-là, je l'ai pas. À Agnesa Dobrovskaya Tika, ma mère bien-aimée qui a prouvé que l'amour ne s'encombre d'aucune origine. Ok. Hop, dans le doute... On la prend aussi. Voilà. Et la pelle, c'est quoi? Elle les a enterrés hier? Dunyasha Dubrovskaya Tika, enfin délivrée d'une veille sans relâche, puisse-t-elle avoir rejoint les siens? Oh la vache, elle a préparé sa tombe, la meuf. Bon. C'est un peu glauque tout ça, dites-moi. Alors, on va aller retourner voir Kirk du coup. Hein, ils sont un petit peu bizarres les Yukon, mais au moins ils aiment bien la vie. Alors, est-ce qu'on pouvait prendre un raccourci par là du coup? Sans être obligé de retraverser le stade. C'est dans le thème, un peu ouais. C'est la folle ambiance quoi. Alors, où est-ce qu'on est? Ah ok, c'était là, oui d'accord, donc on est rentré par ici, donc bah, parfait, on est tout proche. Enfin, je crois. Ou pas, si là, il y a le chemin. Voilà. C'est ça. Alors, est-ce qu'il est toujours dans le coin, Kirk? Près du grand feu? Là. Ah, caché derrière les tonneaux. Comment avancent tes recherches, Kate Walker? Eh bien, il se trouve que j'ai croisé la fille de ton prédécesseur, Kantika, dans le cimetière là-bas. Ah oui? Et qu'est-ce qu'il en ressort?
Elle est seule depuis longtemps. Ça la rend un peu étrange de prime abord, mais assez sympathique au final. Tu penses qu'elle pourrait nous aider à trouver le temple ? Elle m'a confié le journal de son père. J'ai bon espoir qu'il m'aide à trouver rapidement le temple, mais il est écrit en Yukol. Tu penses que tu pourrais le traduire pour moi ? Bien sûr. Ce n'est pas tout. Est-ce que tu accepterais de lui rendre visite ? La pauvre est seule depuis des années, et voir quelqu'un de la tribu lui ferait sans doute beaucoup de bien. Je serais honoré de rencontrer la descendante de celui qui a sauvé le temple. J'irai dès que je t'aurai traduit ce journal. Donne-le-moi, s'il te plaît. Bien, bien, bien. Tu y vas ? Ouais, il y va. Fantastique. J'ai même pas regardé d'ailleurs si c'était un document. Ouais, c'était un document. On pourrait peut-être le lire avant qu'il soit traduit. Ah, il y a des petits paragraphes. Bon, bah du coup, avant de fouiller ce sympathique petit manuscrit traduit, on reconnaît ici ce qu'on avait vu dans la piscine tout à l'heure, on va s'arrêter là pour la VOD. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis au revoir dans le chat, c'est le moment. Je bois un petit coup et on réattaque. Ciao ciao tout le monde et à très vite pour la suite.